bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et nous retrouvons donc le FC Barcelone contre la France. Un nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tullet aux commentaires. Bonjour Darren. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Alors que résonne l'hymne national de la sélection. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. Et on rentre dans le vif du sujet. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Je vote Antoine Griezmann. J'adore cet ailier. Comme il repique pour affoler les défenses, quelle vitesse! C'est un futur très grand. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. Pogba, qui joue long, dans le dos de la défense. Il n'est pas en jeu. Le bon dribble. Il tire. But pour la France. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Vous savez, il paraît qu'on voit deux choses de l'espace. La grande muraille de Chine et le trou dans la défense. C'est dire. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. Payet. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. C'est joué long, attention. Une occasion. Il est passé. Oh, quelle parade! Bonne tête plongeante, mais ça ne rentre pas. C'est bien joué, il a réussi à la prendre de la tête. Matuidi. Giroud. La tentative. Ouf, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Mathieu. Sergi Roberto.
C'est frustrant de voir cette action bien construite ne pas aller au bout. Giroud. Kanté. Et c'est intercepté. Sans se poser de questions. Gomez. Oh, Luis Suarez. Rafinha. Allez, plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Ça passera sur le côté. Oh, voici Neymar. Oh, Luis Suarez. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. C'est déjà la pause. J'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Barcelone n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il glisse le ballon en profondeur. Pas de hors-jeu, il y va. Ouh là là, quel dégagement en catastrophe. Quel tacle! Sagna. Matuidi. Sagna. Matuidi. Oh, Griezmann. Matuidi, qui a déjà marqué aujourd'hui. Il tente de la jouer dans l'espace. Giroud. C'était presque au fond. Ça aurait pu faire mouche, c'est pas passé loin. Attention, et ça finit au fond. Il compte maintenant une avance de 2 buts.